Salut tout le monde, c'est Nidem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et de cliquer la cloche de notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo vous t'a plu, de liker, ça fait toujours plaisir. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, excusez-moi, pour une dégustation des raclettes, mais avec des nouveaux fromages et avec la machine cette fois. La machine à raclette. Donc voilà, ah, j'ai galéré pour le brancher, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas de pour voir. Donc, des pommes de terre pour la raclette. Voilà, charcuterie, jambon de pays. Et quoi, des saucissons, et voilà quoi, etc. Et ouais, du fromage. Bon, les noms exacts, je ne connais pas trop les noms. Donc voilà. Donc on va commencer cette vidéo. Voilà, donc avec deux personnes. Donc c'est bien, ça change un peu les dégustations de raclette. Donc ça change parce que j'ai servi des nouveaux. Oh bah, en plus avec la machine, ça va être bien. Voilà. On va commencer par celui-là. On va le mettre comme ça. Ah tiens, j'en ai deux. On va mettre les deux en même temps, ça va aller plus vite. On va mettre quoi déjà? Allez, on va prendre un peu de ça. Voilà, ça si ouais, j'ai. Ils sont collés. Et voilà, ils sont collés. Ah, c'est stylé. Plus il y en a deux, hein. Là ouais putain faut attendre un peu, faut attendre que ça fond bien. Ouais donc oui aussi j'ai oublié, donc j'aurais dit ma pomme de terre, les fromages, les charcuteries et j'ai oublié, j'ai pris une canette de boisson 7-Up. J'aime bien chaque vidéo que je fais, une petite boisson, que ce soit les ASMR, les petits que ça soit. Voilà. Putain c'est chaud. Ah oui là ça commence à chauffer là. Donc, ouais, on va commencer par quoi? Putain, j'aurais dû mettre les deux. Non, si on met les deux. Putain, non, j'aurais dû mettre les deux. Bref. Ouais, c'est. Voilà, bon, donc, tiens, en même temps, il vaut mieux tant que ça chauffe. Je vais vous montrer les fromages. Voilà, bon ça vous connaissez. Il y a ça. Il y a ça. Il y a des montales, un peu. Voilà quoi. Tiens, on va un peu couper pour le mettre un peu. Bon, on va attendre un petit peu ça. Ça finit. Donc voilà. Celui-là. Bonne petite raclette, on va le mettre, pas. On va le mettre par-dessus. Mais voilà. Oui. Ah oui, on va mettre. On va mettre ça par exemple. Ça va rentrer. On va essayer ce fromage là. On va mettre là. Bon, celui-là, je connais celui-là. Hein. Ça. Celle-là, il est pas mal. Bonne raclette. Voilà, raclette de mal.
pas la peine. On va prendre quoi, tiens. Tiens, ouais, j'ai pris du jambon comme ça. Bon, un peu pour changer. J'ai la petite raclette. La prochaine fois, je ferai une raclette avec ma soeur, comme vous me l'avez demandé en fait. Parce qu'il y a des personnes, qui m'avaient dit, il y a un certain moment de ça, et même j'aimerais bien que tu fasses une raclette avec ta soeur, tout ça et tout. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème sur ça. Mais par contre, ça, je le ferai au mois d'août, si elle vient. Si elle vient, parce que c'est souvent à cette période-là que ma mère ou ma soeur vient. Donc voilà, si elle vient ou qui. Je sais pas, si elle vient avant. Qui est moi, oui, je vais faire une raclette, il n'y a pas de problème. Sur ça, par exemple, ouais. Voilà quoi. Oh, ouais, je m'en souviens, vous me l'avez dit ça, vous me l'avez demandé. Goûter ce fromage là, moi et tous les fromages je le connais par rapport à les petits carrés que je prends d'habitude. Donc voilà, s'il est bon celui-là. Ah, c'est chaud. Le jambon de pays. Bon, et voilà. Ouais, ça va, non, ce fromage là il est bon, ça va. On va mettre quoi? Celui-là, allez.
celui-là. Voilà. Ça va, il est bon ce fromage là. C'est celui-là hein, j'ai mis. Hein. Bonne raclette. Je peux pas dire les noms du fromage parce que je suis même plus, j'étais même plus en tête. Oh, attends, c'est là. Ouais. Ça, apparemment, je sais, c'est du chef. J'ai du chef. Et là, ouais, on va mettre celui-là à côté. Je sais même pas, je suis désolé. Allez. Celui-là. Oh, je vais boire un coup. Il sera frais. Ouais. Allez, on va goûter. Nouveau fromage. Bon truc de froid. La prochaine fois, je ferai une petite ASMR. La prochaine fois. Avec une raclette. Je suis tombé sur un fromage que j'ai pas trop aimé. Hein. Je sais pas c'est lequel, mais.
Ça va être chaud de tous les tester. Hein. Tu vois, ça vaut le coup, je me demande, ça vaut le coup de faire un deuxième épisode de Raclette. Je me demande. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai plus de vues par rapport aux autres. Les meilleures vues que j'ai, les meilleures qui ont bien marché, c'est la raclette. C'est pour ça que je me dis, si je peux pas tout finir, bon, je vais pas tout finir, mais je veux dire, si je peux pas tout déguster, parce qu'il manque un peu, il manque celui-là, et voilà quoi. Et si je peux pas tout, vraiment tout finir, je ferai peut-être une deuxième épisode. Voilà après, ouais. Enfin, on verra, hein, si. J'irai même peut-être pas à cette pomme de terre aussi. Ah, je pense que je vais faire un deuxième épisode. Je vais trier les choses que j'ai déjà dégustées. Et voilà. Ouais, c'est vraiment. Je pense que je vais faire un deuxième épisode. Voilà, il en manque plein et tout. Hein. Attends, pour celui-là. Ah bah oui. Ah, c'est quoi pour essayer quoi? Ah, j'ai essayé celui-là. Celui-là, bon, attendez, et celui-là. Pour finir, attendez, finir. Hein. Et après, c'est bon. Hein. Je vais vous dire si c'est bon. Ouais. Ça va. Donc voilà, il y a une deuxième partie. Donc là, je suis calé là. Donc il y a une deuxième partie. Attends, c'est vrai. Je pense qu'il y a ouais. Semblé. Je fais comme j'ai dit, je vais les trier. Je vais voir, je vais regarder les choses que j'ai pas fait. Et les choses que j'ai fait. Les choses que j'ai fait, je mettrai une assiette à part. Et les choses que j'ai pas fait, je mettrai une assiette à part. Voilà. Donc il me reste aussi de la charcuterie. Donc ça on peut le garder. Voilà. Vous pouvez le voir là. Il me reste un peu de fromage là, un peu de fromage là. Là il me reste vraiment un peu les pommes de terre. Mais moi là par contre, j'ai décidé de les finir moi tout seul. Moi j'ai pas envie de garder ça. Même pour la prochaine fois. Non, non. Ça, par contre, je vais les finir moi-même. Et voilà. Sinon, à part ça, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, c'est pratique avec les machines. Hein. Donc, c'est bien. Ça chauffe, par contre. Mais je l'ai éteint. Je l'ai pas allumé, mais bon, la chaleur est restée quand je l'ai éteint. Voilà, sinon... Je vous dis à bientôt, comme d'hab, abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne et de cliquer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de mes vidéos et surtout pour la suite de la raclette. Parce que comme j'ai dit, je vais faire une deuxième partie, voilà.
Donc très important, si vous, voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, de liker, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, j'aimerais bien qu'on monte bien mes pouces bleus là. Mais ça monte bien les pouces bleus, je trouve, par rapport à avant. Hein. Il y a mieux, hein, mais les likes, ça va. Hein. Encore les abonnés, j'aimerais bien que ça monte assez, qu'on accélère, ça serait bien. Qu'on monte au moins 1000 abonnés. Je sais pas, 1000 abonnés au moins. Ça serait bien. Ben, c'est tout pour cette vidéo, quoi. Comme je dis. Ben, voilà, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Moi, de toute façon, je réponds à vos questions. Et voilà, quoi. Comme je dis, ou si j'ai oublié, comme je dis, je ferai une raquette avec ma soeur, en fait. Comme il y a des personnes qui m'ont demandé, fais une raquette avec ta soeur, j'ai pas oublié sur ça. Et en plus, j'ai une machine et ça va être bien. Ok, y a pas de problème. Je ferai une raquette avec ma soeur. Voilà. Ben, sur ça, je vous dis ciao tout le monde et bonne soirée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour la suite de la raclette. Sur ça, je vous dis ciao tout le monde.